On est reparti. Donc entre temps, j'ai coupé un peu. Entre temps, je suis allé voir les choses qu'on pouvait faire. Donc apparemment, on peut attacher le contenu des camions et tout ça. Donc il suffit de prendre donc la corde. Je vais voir un peu. Ah, peut-être pas là. Placer des marchandises tenues à la main sur un véhicule, passer à côté... Non, peut-être pas sur ça. Mais apparemment, on peut utiliser la corde, ça dit, pour attacher le matériel. Donc, ouais. Intéressant. On va voir. Mission suivante. Commande pour Sam. Collecter, collecte furtive. Données venant de l'intérieur de l'usine en ruine. Ok, cool. Là, ça devient intéressant. Je pense pas qu'on ait besoin de nouveaux matériels, honnêtement. On s'est déjà super bien équipé, donc let's go. On va garder le... Honnêtement, ça serait mieux d'avoir un camion, si jamais il y a beaucoup à transporter. Ah, peut-être on devrait prendre un camion. Je vais voir un peu... Attends. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un camion juste au cas où, s'il y a beaucoup à transporter. Camion défensif, grande autonomie. C'est la grande autonomie qu'il faudrait. On peut prendre de quelqu'un aussi, j'aurais pu faire ça. Oui, c'est pas grave. Attendez, on va changer les couleurs. Je sais pas quoi mettre. On s'en fout un peu, hein, c'est juste... Comme ça. Non. Je sais pas quoi mettre comme couleur à chaque fois. Je fais toujours du très, très basique, genre ça tourne autour de noir et gris et puis basta quoi. Voilà. C'est très bien. C'est très très bien. Il y avait autre chose à faire? Sélectionner la couleur, auto-revenir aux couleurs originales. Ok, ça marche. Bah, normalement, ça met tout dans le camion, je crois, directement. Je sais plus. Porter. Ah, j'en ai un deuxième. Ah, ok, il me donne un truc un deuxième laser. Ok, ça marche. Ça, par contre, ça va être dans le camion, tout ça. Échelle. Ah, peut-être que tu m'as mis tout l'équipement. Ah, ok, tu m'as mis tout dans le casier privé, ça marche. On va faire ça. Entre l'escalier niveau 2, CCP2, le spray, échelle, poche de sang. Ça fait déjà beaucoup dans le camion, mais... Ok. Parti. Ça marche. S'occuper jusqu'à un événement, récupérer les données à l'intérieur de l'usine en ruine. C'est parti. Ok, c'est un peu plus sécurisé, on va dire. Avec un camion. On a beaucoup plus de place aussi. Ah, Goliath, je l'aime beaucoup cette musique. Je l'aime beaucoup. Just under her divided by one.
Sam, if the techs did their job, the factory should be accessible now. Head inside and start searching for records. Ça marche, on va se mettre là. Ce qui est bien, c'est que quand on a combattu les mules, du coup elles restent en fait au sol. Ça, c'est vraiment sympa. Sam, see that access panel by the entrance? You should be able to use that to get inside the factory. Ça marche. Alors attends. 30, 102, 102. Ok, ils sont tous les deux au maximum. C'est parti! On va essayer de jouer un peu infiltration et tout. S'infiltrer, rester discret et tirer parti des octaves ou cacher. Poisson à l'intérieur de bâtiment, plus vous portez de marchandises, plus vous sera difficile de vous cacher. Essayez de vous décharger un peu pour vous dissimuler plus facilement. Ça marche. Oh, je vois pas avec le Dradek. Faire peut-être. Bien, bien, bien. Botte argentée. On peut mettre la deuxième paire sur la sangle. J'en vais choisir déposer, accrocher à la sangle. Par contre, il y a un truc, c'est le deuxième canon qu'on va sûrement déposer ici. J'en ai déjà un. Putain, on est dans Metal Gear Solid, ça tue! Du monde. C'est pas extrêmement discret quand même. Hein. Alliage spéciaux de densité, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas si ça fait du bruit les armes. Parce qu'on n'a jamais vraiment été... Je pense qu'il y en a qui font pas de bruit et d'autres si. Je sais pas. Enfin, après on a toujours le lance-bolas aussi. Et on peut toujours prendre un... Genre une caisse et balancer dans la gueule des gens. Ça marche aussi. Mais je pense que le laser est peut-être mieux pour ce coup-là. Bon, par contre, attendez, ça me prend un peu la tête. C'est les aides, en fait. On va devoir les enlever. Masquer les spoilers, première fois uniquement. Continue de partager, option par défaut du livreur. Afficher les astuces, chaque fois, première fois uniquement. Contextuel uniquement, jamais. Première fois uniquement, pardon. Hop. Comme ça, voilà, très bien. Thank you.
cool. On a encore un là. Et un là-bas. C'est bien d'avoir un Odra deck augmenté aussi. Ça nous permet de voir pas mal de choses. C'est un peu notre radar Soliton, quoi. Je crois qu'on pourrait jeter des objets aussi pour les faire venir. Non, attends, je vais tester ça, tiens. Je sais plus comment, si ça fonctionne ou pas. Genre, le canon collant. Attends. Canon collant. Ok. Fait des tests hein. Parce que là on est plus infiltration qu'autre chose, donc je veux voir si ça marche bien en fait. Ok, lui il a vu ça. Est-ce qu'ils sont en alerte ou pas? C'est possible. Il n'en reste plus qu'un. Non, je pensais qu'ils soient en alerte. Juste j'ai entendu du bruit. Ils voient leurs potes et tout par terre. Lui, on va peut-être le faire à la corde. Quand il va essayer de... Putain, il est devant moi. Quoique non, c'est bon. Voilà. Très bien. Très bien, Snake. Sam, pardon, très bien. Ok, on a quoi? Ça, c'est pas mal. On a encore des bottes argentées. On va les placer là. Je sais pas si on pourra les récupérer, mais bon. Matériaux haute densité. Voilà. Et on va récupérer notre canon. Est-ce que Sam se met genre contre les murs ou pas? Batterie totalement. Elle est vachement bien cette batterie. Elle se recharge super facilement. Ah ouais, on va faire des allers-retours comme ça. Je pensais que ça allait se produire comme ça, c'est cool. Alors, ok, on a tout. Les poches de sang, on est au max ou pas? Accroché à la combinaison. Ouais, on est au max. Non, placé dans la poche. On est pas au max. On peut reprendre un canon. Pourquoi pas. Là, on devrait être bon, on fait demi-tour. Oh! C'est qui ça? Il faisait partie de Fragile Express, enfin... C'est pas X sur la photo? En Fragile Express? Excellent work, Sam. That's exactly what we were hoping to find. Bring it back ASAP so we can get our people on it. Genre lui là. Ça marche.
prendre ça. Hop là. Faire attention parce que c'est super lourd les hautes densités. On est à 127 déjà. Là, on est déjà un peu lourd. Ok, cool. On avance. Doucement, doucement. Ah, honnêtement, le squelette de soutien, c'est nouveau, c'est fun. Mais c'est pas aussi bon que les autres qu'on a. Hein. Je suis quasiment certain de ça. Ok, y'a personne. Enfin, ils dorment toujours. Là, on a bien fait de prendre un camion. Doucement, doucement, doucement. Doucement, j'ai dit. Sam, arrête. Ouais, non, il faut changer. Faut changer notre squelette. Sinon, on va se péter la gueule. Doucement. On va le faire comme ça. Alors, on va mettre ça dans le camion, comme ça ce sera protégé. Densité, densité. Densité, le deuxième canon. Voilà, très bien. C'est bon. On peut se casser. Ok. Allez, camion, c'est toujours la merde par contre. Hein. Le pire, c'est en montée. Doucement. On est bon. Ouais, la batterie est encore bonne, ça va. Je crois que les colis là qui. Genre il y a deux poches de sang et des trucs à chaque fois. Je pense que c'est des tirs de canon là. Nouveau canon. On va directement changer notre squelette, on va prendre le tout terrain à la place. Parce que hein, j'ai pas envie de me péter la gueule. Tout terrain niveau 3, on va prendre le normal. Ouais, on passerait à 270 kg et il est mieux. Ah, on pouvait voir l'historique du propriétaire. Intéressant. Livraison. The legend returns. How you doing, Sam? C'était sympa.
C'était sympathique, cette petit moment MGS. Oh. The records you brought back for analysis contained additional designs for BB pods. This data has given us new insight into how we might customize yours by changing its color, for example. Feel free to experiment with this feature the next time you visit your private room. Ok, cool. Bah maintenant on sait pourquoi je pouvais pas le faire. Bye, Sam. On sait pourquoi je pouvais pas le faire. Okay. On va aller voir ça. On est super équipé à chaque fois, c'est marrant. J'adore, moi, genre toutes les sangles et tout, c'est super stylé. C'est toujours ce qui est bien, voilà, comme je dis, c'est toujours tous les petits détails et tout qu'on voit. Ça, c'est cool. Stock de munitions de Sam reconstitué, très bien. Donc, on va voir un peu le pod de bébé, là, ce qu'on peut en faire. Good morning, Sam. Blood collection complete. Thank you for your generosity. Alors, jetez un coup d'œil. Alors, personnaliser la capsule de bébé. Fais voir un peu. Oui, on a des couleurs. Oh, c'est genre le même, la même couleur que le masque de Iron Man. On peut le mettre en argent, en or, et après on a les couleurs. C'est la couleur originale. Ouais, bof. Enfin, le faire en noir, c'est un peu... Ouais, c'est un peu trop sombre, en fait. Ouais, peut-être comme ça, c'est original. Fibre de carbone. Pourquoi pas. Ça changera un peu. Ah, t'aimes bien ou pas? On est reparti? Je pense qu'on peut repartir. On va sauvegarder, on va regarder ce qu'on a débloqué. Entretien. Donc, note du porteur à notre fille bien-aimée. Je reviens ce que j'ai vu. N'importe quelle son vulnérabilité, semble que je m'en rende compte. Elle était devenue mon modèle. Je sais pas de quoi ça parle. D'une mère à sa fille, je suis désolé, 5 ans, ce n'est pas assez pour se trouver des repères sans parler de vivre sa vie. Ce serait qui la fille? Ramasser les morceaux récollés, j'espère, je prie. Ça marche. Alors, lecteur de musique, on a Goliath maintenant. Et le manuel, manuel. Quoi la nouveauté? C'est un peu embêtant qu'on puisse pas tout simplement aller genre faire par cran, qu'on soit obligé de faire ça. Maintenant je fais même plus vraiment attention, donc du coup on a peut-être passé le truc. Sinon il y avait écrit un moment, comme je disais là, avec accrocher les choses avec les cordes, c'est là-dedans que j'ai vu ça. Bon, c'est pas grave. Let, on va sauvegarder et on y va. Et on continue.
C'est parti. Alors, livraison, unité de transfert de données à l'usine en ruine. Ouh, ok. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose, non? On va garder notre camion. Alors, unité de transfert de données, ça marche. C'est quoi exactement? C'est une petite caisse. Et tu m'as donné un fusil d'assaut non létal aussi. Intéressant. Ah oui, carrément. Ah d'accord, ouais, enfin attends, t'es en train de grave m'équiper en fait. Alors attends. Alors, ça sur le dos, ça dans le camion. Camion, fumigène camion, neutralisant de camion, poche de sang, accroché à la combinaison. Non, placé dans la poche, on n'est pas plein. Ok, maintenant on est plein, donc camion. Ok, parfait. Attends, excuse-moi. Parce que apparemment on va sûrement avoir du combat. Ah oui, ça faudrait que je le mette dans. Ah oui, non, c'est dans le quasi privé, j'ai rien dit. Genre. Ça il faudrait aussi le mettre dans le quasi privé. Le spray, les échelles, poche de sang, grenade fumée, bombe neutralisante. Ok. Nous on a fusil à pompe qualité supérieure. Ça c'est le niveau 3 où ils nous ont donné, je me rappelle même plus. Qu'est-ce qu'on a sur nous? Ah! Ça. Casier privé, très bien. Donc on a le bolas collant. Ah oui, soutien, ça aussi on s'en fout du coup. Privé. Arme de poing. Ok, on va s'équiper. Hop. Ça devrait être bon. Je pense pas que le collant en fait soit très utile. On peut peut-être prendre autre chose à la place. On va peut-être s'équiper un peu plus lourd. Genre niveau d'armes. Fusil d'assaut, qualité supérieure. Ouais, non, qualité supérieure, c'est mieux. Je sais pas, hein. T'as un petit lance-roquette. Et un petit lance-grenade. Juste au cas où. Juste au cas où. Hein. Moi, je sais pas comment ça va se passer. Mieux vaut être équipé. Le collant, on va le laisser. Là. Mieux vaut être équipé. Allez, c'est parti. Donc, on a fusil à pompe, canon laser, on a le fusil d'assaut aussi. L'arme de poing, pardon. Ok, on est très très bien équipé. Allez, let's go! Ah, le mode photo, oui, c'est comme ça, pardon. C'est pas ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. On a toujours pas vu d'échouer, je me demande si on va en avoir. Oh, ok. Ça c'est les balises en fait, des mules normalement qui font ça. Allez, on monte.
Oula! Sam, all you need to do is get that transmitter to the terminal inside the factory. Submit it for processing, and the unit will attach itself automatically, enabling remote access. Ok, j'ai pas vraiment suivi ce que tu m'as dit. Merde, mais j'ai pas de munitions non létales en fait. Ah, j'ai ça quoi. Mais j'avais pas pensé, oui. Ça a pas de... C'est super puissant, mais ça a pas de non létal. Non, j'ai des grenades. J'ai des grenades... Ouais, ok, pas vraiment équipé. Je rêve ou c'est une mitraillette qu'ils ont là, devant. Si, c'est ça. Ok, là on est dans la merde. Pardon. Ouais. Ok, ils sont bien équipés. Ok, alors attends. Attends. On va prendre anti-émeute et non létal. C'est vrai que j'ai un peu oublié ce détail que on n'a pas de truc anti-personnel en fait. Enfin, non létal, pardon. Là c'est mieux, on va prendre ça. Hop, très bien. Un mec qui est derrière la mitrailleuse, c'est pas drôle. C'est pas vraiment ça que je voulais faire. Ok, très bien. Merde. Très bien. Donc on peut utiliser ça? Oh, c'est un canon anti... mitrailleuse anti-émeute. Ouh. Vas-y, ramène-toi. Ah, oh, le con, il s'est bloqué. Oh, tiens, c'est la première fois que je vois ça, quoi. Ah, tu me déçois. Tu me déçois. Okay, très bien. C'est vachement bien d'avoir plein de munitions aussi. Hein. Avec les... avec les nouveaux accessoires. Vraiment sympa. Sam, we've cracked the latest door security codes. You know the drill. Just look for a panel near the door like before. Ça marche. Par contre, on a un peu beaucoup de matériel sur le dos. Oh merde. Ouh, ils sont bien équipés eux. Tire-moi dans la tête, bordel. Il est là.
plus que 12 balles. Ça devrait être suffisant. Très bien. Aïe aïe. Ok, on met au fusil à pompe maintenant. Alors attendez, il y avait un truc, ça disait fusil à pompe de terroriste ou un truc comme ça. Apparemment on l'aurait droppé, ou alors c'est parce qu'ils nous ont tiré dessus avec. Encore des bottes argentées. Densité, ok, ça marche. Come on, let's get this done. Ouais, ça va. Ça, c'est du Metal Gear Solid. Oh, par contre, eux, ils sont bien équipés. Ah, eux, c'est des terroristes, par contre. Ils ont des protections, des grosses armures, et je crois que c'est du létal, ce qu'ils ont. Ça, c'était le petit moment trailer qu'on avait vu où il s'amuse avec une boîte. Je me demande si on va la voir. Je pense qu'on va la voir en fait. C'est cool, ils l'ont laissé. Genre, elle a pas été faite seulement pour la vidéo. Pour la présentation du Director's Cut. Genre, j'aime bien parce qu'on voit la boîte, donc le carton. On voit le. La petite entrée là où c'est qu'il y avait le rat. Genre conduit d'aération. Genre vraiment Metal Gear Solid quoi. Ouais, mais c'est pas vraiment son style. Rien que le type de musique, c'est tellement Metal Gear Solid, ça tue. C'est pas son style à Sam. Sorry Sam. Looks like you triggered an emergency lockdown. Only way to lift it is to neutralize all the hostiles in that room. I don't need to remind you, but killing is a last resort. Ça marche. En équipement, on est un peu, enfin quoi que non, on a encore le laser là. Canon Mazer, ça va, on va se débrouiller. Tu peux pas. Ça serait marrant qu'on puisse aller dedans. Mais... Oh la vache, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Il nous faudrait vraiment des fumigènes en fait. J'ai pas de fumigène. Après ça, ça peut étouffer. Ça peut les faire tousser. Mais je crois qu'on va y aller comme un bourrin, parce qu'on n'a pas vraiment les mêmes habilités que Solid Snake. Donc... Genre, si je balance une grenade au loin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, j'en sais rien, en fait. Si on fait ça...
Genre si je le balance au loin, qu'est-ce que ça fait? Ah putain, Sam, tu... Hein? Vraiment mauvais, Sam. Hein. Il y a l'autre qui est derrière. Normalement, ils vont prendre l'objet. Quoique... Non, peut-être eux, ils s'en foutent, en fait. Non, c'est les terroristes, ils sont là pour tuer. Ils s'en foutent complètement des cargos. D'accord. Ah ouais. Ok, ça marche. Bah putain. On va en chier. Heads up, Sam. Looks like you've tripped an intrusion sensor. To be clear, these sensors react to you, not to your cargo. Ah ouais, je sais. Trouble may be on the way. Est-ce qu'on est à... Ah putain, il faut s'avancer. Non, ne tire pas dessus. Ah oh. Ok, bien. Ok, pas changer de... d'épaule. Ok, on va remonter. Ça marche, ça marche, ça marche. Ouh, j'ai un truc équipé, moi. J'ai une pochette de sang équipée, je crois. Enlever, ok, c'est bon. Oh mon dieu, ça les stun même pas, quoi. On va retirer dessus. Ok, bien. Après, on a, comme j'ai dit, on a un bouclier. Vous avez vu, ça fait un champ magnétique. Donc honnêtement, niveau dégâts, on est bon. Il n'y a plus que lui ? Je crois qu'il n'y a plus que lui. Comment? Dans le dos, tu peux pas te protéger. Tiens. That's that then. I'm not seeing any other active hostiles in your vicinity. Get out of there and resume your search for the terminal. We need to establish remote access. Ça marche, ça marche. Ça a de fumigène. Qu'est-ce qu'on a quoi? Chargeur supplémentaire? C'est quoi ça? Boîte de terroriste, céramique, arme de poing. C'est quoi ça, chargeur supplémentaire? Je sais pas trop. Genre ça donne des chargeurs directement en fait, je pense. Parce que là je vois rien de nouveau en fait. Ah, le bonnet du Père Noël, c'est ça que je voyais dans mon dans ma chambre. Attends, on va voir ce qu'ils ont là. On voit que le jeu est pas fait pour ça, mais
pour l'infiltration. Mais honnêtement, ça se passe bien quand on joue comme ça. C'est pas très difficile avec... Bah, après, avec notre équipement, ça passe très bien. Mais on voit que, genre, on peut pas se mettre contre les parois et tout ça. Si le jeu était plus Metal... Bon, après, ce serait très, très Metal Gear. Hein. Mais c'est vrai qu'il pourrait être vraiment... Il marcherait très bien, en fait, le jeu, si on avait ça. Si on avait ce système de vraiment se cacher et tout. Là, ça marche. Point. Là, ça marche, point. C'est pas extra. Mais ça marche. C'est potable. Pour le gameplay. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire... Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Dyerman? Bon, bah, apparemment, on l'a coupé. Oh, c'est des pods de bébé, ça. Prototype. Ah, ça doit être vieux. Ça doit être l'époque de... C'est fragile, ça, non? Avec les cheveux courts. Sam, le terminal est dans cette chambre, n'est-ce pas? Submit the transmitter for processing. Attends. On est d'accord que ça c'est fragile avec les cheveux courts, enfin quand elle était jeune, non? Plus jeune. Je sais pas. Ouais, ça c'est des. C'est bien des potes de bébé en fait. Prototype. Ouais, donc du coup, ça... C'était avant le Big Bang, là, le cataclysme. À l'époque où l'autre, elle faisait des... Elle créait les bébés. Faire une livraison. Comment doit être effectué? Nouvelle caisse marchandise. Ok. Hop. Ah ouais, on est couvert de sang aussi au passage. On se fait tirer dessus. J'avais pas fait attention. Great work, Sam. With the transmitter in place, we should be able to access and decrypt the remaining records. And now that the terminal is under our control, there's no need to worry about mules or anyone else stirring up trouble down there. We'll upload our findings to the data archive so you can review them later for yourself. Again, great work. Cool. D'une mère à sa fille, note d'importeur numéro 2, notre fille bien-aimée. Alors, le siège de Brigitte a fourni des données sur les couleurs des capsules de bébé suivantes. Ok, on en a plus. Échec, autocollant, cuir. Ça marche. Ouh, c'est qui ça? Oh, elle peut s'attacher à des bébés. I'm sorry. I couldn't keep my promise. Remember when we took this facility? Hell bent on stopping Bridges from making any more sacrificial lambs. I thought I could save the BBs, I really did. But there's no stealing back a stolen life, is there? They were born into this world. They were a part of it, same as you and me. They deserved a second chance. But in the end, I could only give that to one baby girl, and even she didn't last long. Another child on my conscience. Along with all the other BBs, they tricked us into carrying. All in service to a new America. So many crimes. And we were complicit. Turns out, the whole thing
the vice president's idea. Bridget knew nothing about it. Stumbled on that little revelation after you left. Just goes to show, you can never be sure who the real enemy is. Anyway, on my last legs, in case you can't tell. Cancer, terminal. If you come too late to see me off, don't go carving me a headstone. Take it out on the bastards who built this place. I need you to deliver a message to the best and most fragile part of me that I pray lives on. I'm sorry. I did everything I could. C'est le même bracelet enough, qu'on a. I had to try. Even if it meant leaving you. Even if it meant robbing you of the mother you deserved. Que Fragile nous a donné, je crois. Don't suppose you're wearing the other Masaga now, are you? I think of you every day. C'est la mère de Fragile, je pense. I never stopped loving you. And I never will. Bridges wants to build a new America on the bodies of murdered children. I left my family behind to gather men and women like you. To mold you into the soldiers I needed to stop them. Peter. You and my girl can lead the way. You can make a better world together. You can do it. You're a fighter, and a damn good one at that. I should know. Trust in each other. Trust in your methods. Trust in your vision of America. And please, keep my little girl close. Keep my fragile safe. It's only right. You're like a son to me, which makes you her brother. À qui elle parle du coup? Parce qu'elle dit Peter, Fragile et toi, mais du coup elle parle à qui? Ça peut pas être à Sam évidemment. Ça peut pas être à Sam. Par contre il y a un truc. Ah on peut pas voir l'autre carte parce qu'on n'y est pas, je crois. Incliner la carte, trajet recommandé, changer de carte, non mais ouais non c'est pas ça. Parce que X il se fait passer pour Peter, quelque chose pour son nom. Je crois qu'on peut le voir dans les emails qu'il nous a envoyés. Ah oui il y avait GLaDOS qui nous avait envoyé. Peter Englert. C'est Higgs. D'être fidèle serviteur Higgs Managan. Donc ouais, je pense que c'est ça en fait. Donc Peter, donc Higgs, Fragile et une autre personne. Ouais, je sais pas. Non, ça peut pas être ça. Ou alors que le message, elle pensait que Sam récupérait. Intéressant. J'espère qu'on aura un 2 de Death Stranding. Honnêtement. Qu'on ait plus d'histoire et tout. Maintenant qu'on a instauré les bases en fait du jeu, du gameplay, du monde, surtout le monde est quand même très très compliqué. Donc j'espère vraiment qu'on aura un deuxième, un jeu où on pourra aller encore plus loin
Genre, sans trop, on va dire, entre parenthèses, perdre notre temps à expliquer, parce qu'on a déjà instauré les bases du jeu, donc qu'on aille encore plus loin et tout, quoi. Oh. Ok, on a des échoués. Ah, c'est elle, peut-être, en échoué, non? La femme qu'on vient de voir. Here lies my beloved son. Oh, oi, oi. À la mémoire de ma fille adorée, je n'oublierai jamais le moment que nous avons passé ensemble, représenter ma chérie. Après, en théorie, c'est vachement plus vieux que l'époque de Fragile. Ou alors, enfin, je sais pas quand ça s'est produit. C'est quoi tout ça? Ouais, c'est tous les gens morts. Ok. Je suis pas sûr de bien capter en fait ce qui se passe. Ouais. Vas-y, on va monter. En tout cas, c'est très joli le. Allez, l'environnement dont on veut vraiment cool à chaque fois. Très très cool, très très joli. Ah oui, ça c'est le cratère. Elle est sympa cette musique. Ah, et là on est au-dessus de la structure. Ça marche. Et ça, c'est l'incinérateur. Bon, ben on rentre. Ah, on n'est pas loin de... C'est quoi? C'est Knock City? La capitale relais? Enfin, on devrait aller où on était censé... Enfin, où on a récupéré la mission pour commencer, je pense. Quoi qu'on peut passer par là. On devrait retourner au camion. J'ai un peu peur que ça soit la fin, honnêtement, des missions qui ont été rajoutées. On va voir ça. Elle va où la tyrolienne? Moi, ça m'aide pas vraiment. La musique est cool, mais je vais devoir la couper. Faut que je sache où on va.
Il est où notre camion? Ok, ça c'est la mitraillette. Ok, notre camion est là. Quelque part par là. Comme ça. Enfin, attendez, on va le faire à l'inverse. Comme ça. Ça passe de musique, hein? On va voir si on peut... je sais plus si on a des cordes et des trucs sur nous. Je crois pas. Ouais, mais on devrait pouvoir passer facilement. Ah, on est bon, on est bon. On va récupérer notre camion et on se casse. De toute façon, c'est ça ce qu'on doit faire. Juste pour être sûr. Commande. Ouais, non, on a fini en fait. Chargeur supplémentaire. Ah oui, tiens, fais voir c'est quoi ça. Chargeur contenant des munitions pour armes de petit calibre. Remplace automatiquement les munitions de l'arme en cours. Utilisation quand son chargeur est vide. Usage unique. C'est vachement bien ça. C'est vachement bien. Ouais, ça c'est complètement nouveau ça. Complètement nouveau. Parce que... on trouvait jamais en fait de munitions, il fallait balancer notre arme en fait. Il fallait complètement balancer notre arme. Et en trouver une autre. C'était un peu le problème, en fait. Enfin c'était pas vraiment un problème honnêtement, parce qu'il y a des armes un peu partout et puis... vous débrouillez pour en trouver d'autres et tout. Il n'y a pas vraiment de gros problèmes. On y va. Du coup, on va simplement rentrer. Peut-être qu'on pourrait aller à la capitale relais. Oh putain, il tourne toujours dans le mauvais sens, ça me rend fou. On pourrait aller à la capitale relais à la place. Voir s'il y a quelque chose. De toute façon, si je trouve quelque chose, je le mettrai en vidéo. Ouais, ils nous ont capté les mules. Ça c'est des mules gentilles. Enfin, gentilles. Leurs lances, elles sont chiantes. Hein. Ça me bloque le véhicule et tout, quoi. D'adrénaline en cas de rencontre avec un ennemi. Ah, il va peut-être pleuvoir. Enfin, il doit peut-être avoir une averse devant nous. Parce qu'on voit des... Ouais. Sam, remember that prolonged exposure to timefall damages cargo containers. Don't stay out in the rain any longer than you have to. Ça marche. Ah non, c'est triangle pour s'arrêter, pour faire les feux d'arc. On peut le faire honnêtement. On va voir si j'ai toujours... On peut le faire. Enfin après, je pourrais les tuer en fait. Honnêtement. Je pourrais tout simplement les tuer. Parce qu'on est super équipé. On va faire... on peut tirer avec des munitions dorées.
Tiens, on va utiliser ça. Ouh, c'est un gros ça. Ok, on l'a eu. Honnêtement, le mieux reste les grenades hein, pour les tuer, ceux-là. Les gros, ils ont énormément de vie. Je suis assez surpris. Ouais, une grenade niveau 2, ça passe. On va faire juste le chemin, en fait. Genre qu'il n'y ait plus personne sur la route. Oh, 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 oh. Respire pas le sang, c'est pas bon. Quoique, on va suivre la route, comme ça je me perds pas. Très bien. Normalement, on devrait être sorti de la zone. Ah, oh, vous avez vu l'icône en plus ? À côté, avec un 1 et des munitions ? Ça, je pense que c'est du coup le chargeur, en fait. Le chargeur en plus qui va être utilisé automatiquement. Ah, c'est vraiment sympa, ce truc ! Putain, j'aurais bien voulu avoir ça dans le jeu de base. Ouais, je pense qu'on est sorti. Ouais, ok. On devrait pouvoir passer... avec le camion. Voilà, très bien. Ça. Allez, go, on y va. Vraiment cool. Ça me fait plaisir, moi, de refaire ça, genre planifier les routes et tout ça. J'aimais bien faire ça dans Death Stranding, j'adorais faire ça. Voilà, parfait. Planifier le chemin à prendre, récupérer le bon équipement pour passer. Et après, bien sûr, une fois qu'on a débloqué du matériel, on fait comme ce que je fais là. Genre, c'est-à-dire, on est un peu plus... comment dire, pas bourrin, mais j'ai envie de dire, on peut tuer les échoués facilement. Donc du coup, on les élimine sur la route, et après on est tranquille. On va juste voir vite fait s'il n'y a pas de mission. Et après, on va se mettre à la chambre privée. Je vais faire une pause et m'arrêter. Et voir s'il y a autre chose. Ouais, non, il n'y a pas de commande pour Sam ici.
Donc peut-être que il y en aurait d'autres autre part. Est-ce qu'il y a l'icône? Il y a encore l'icône là de. Je crois que ça c'est des missions principales. Soit avec fragile possible. Ouais, ça je pense que la petite couronne là c'est pour dire que c'est mission principale si je dis pas de bêtises. Ça marche. Moi je vais faire une pause. Et je vais voir ça après.